Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite astuce pour RP vraiment très rapidement. Donc certes que dans cette partie il vous faudra être deux joueurs, donc moi et Venger, on va vous faire une petite démonstration, il vous faudra être deux. Mais l'avantage que ça avec cette petite astuce, c'est que vous allez RP tous les deux en même temps. Et c'est pas une personne qui va RP et l'autre qui va se faire buter, là vous allez RP vraiment tous les deux en même temps. Donc si jamais vous cherchez des personnes pour tout simplement vous aider à RP et RP avec eux, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook et à poster un petit statut. Donc des personnes se feront un plaisir d'y répondre et pourquoi pas vous ajouter et jouer avec vous pour tout simplement RP. Donc voilà, tous les liens se trouveront dans la description, ainsi que mon groupe Facebook, ma page Facebook, mon Facebook personnel et mon Twitter. Donc cette astuce est vraiment très très simple, il vous faudra tout simplement aller dans la description et tout simplement télécharger les deux l'une des activités que vous souhaitez, donc selon votre plateforme. Donc il y aura deux activités pour Xbox 360 et une activité pour PS3. Donc je suis désolé pour les joueurs PS3, mais il n'y aura qu'une seule activité, mais dans tous les cas c'est exactement la même chose. Et du coup après il vous faudra tout simplement lancer l'activité avec un de vos amis. Donc vous réglez bien les paramètres afin que la partie puisse durer le plus longtemps possible. Et une fois que la game est lancée, vous n'avez plus qu'à tuer les PNJ qui se trouvent sur la carte. Et vous allez pouvoir voir que à chaque fois que vous allez les buter, vous allez tout simplement vous faire 25 RP. Donc il y a quelques inconvénients avec cette manipulation, c'est-à-dire que quand vous allez tout simplement voir que vous ne gagnez plus d'RP sur quand vous tuez les PNJ, vous allez voir que vous gagnez plus d'RP. Vous avez tout simplement soit, vous avez deux possibilités, donc soit vous attendez 5 minutes et vous tournez autour de la map afin que cela se régénère, ou alors vous allez tout simplement quitter la game ou terminer la game avec les mallettes qui se trouvent juste ici. Donc je vais la terminer, vous allez voir que c'est vraiment très très simple, et vous la terminez et vous avez plus qu'à la relancer avec votre ami. Donc l'avantage, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que vous allez RP tous les deux en même temps, donc ça a vraiment un gros avantage. Donc vous allez voir que je vais tout simplement récupérer les mallettes. Et vous allez voir que déjà je me fais de l'RP, c'est vraiment très très rapide. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette astuce. Je vous ai dit, tous les liens se trouveront dans la description pour les activités. Postez un petit message sur mon groupe Facebook si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser cette petite astuce. Donc c'est pas un glitch, c'est une astuce. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Je vous invite à partager cette vidéo sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et du coup, allez, ciao bébé tout le monde.